En manchette, aujourd'hui, une marche dans les rues de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 23 février. Dans le cadre de la campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire », la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, la TROQEL, vous présente une vidéo issue des organismes, de la population, d'organisations publiques, de partenaires syndicaux et socio-économiques. Il est temps que le gouvernement reconnaisse, mentionne la TROQEL, avec un financement à la mission adéquat, l'expertise et le rôle social des organismes communautaires autonomes. La Naudière et le Québec n'ont pas les moyens de se passer de leurs 4000 organismes communautaires autonomes. Engagez-vous, donc ACA, organismes communautaires autonomes, c'est évidemment si vous voulez encourager le mouvement. Nous vous présentons donc une partie de cette vidéo qui a été mise sur les plateformes de différents organismes dans toute la région. On regarde et on écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à quel point nos centaines d'organismes communautaires autonomes, la Naudoie, sont indispensables. Ils sont indispensables parce qu'ils sont des vecteurs de solidarité, de réponse aux défis, de soutien, d'accompagnement de notre population ici dans la Naudière. J'ai envie de dire que sans eux, on serait bien peu de choses, que sans eux, c'est toute notre solidarité, c'est toute notre société qui serait mise à mal, c'est tout notre filet social qui deviendrait plein de trous béants. Alors, j'espère que, comme moi, vous soutenez les organismes communautaires autonomes. Bonjour, Christian Goulet, maire de la Veltrie et préfet de la MRC de Dautry. Nos organismes communautaires autonomes sont tout simplement indispensables pour leur communauté. Ils accompagnent toutes les tranches d'âge de notre population en répondant à divers besoins. Ils ont un contact de proximité privilégié avec les citoyens. Ils soutiennent les gens dans le besoin. Ils contribuent à briser l'isolement et à dynamiser le milieu. Ils se distinguent par leurs engagements hors du commun, par la richesse de leurs actions auprès de la communauté. Il est primordial de mettre en lumière leur implication dans notre belle région. Au nom du conseil municipal de la ville de la Veltrie, je soutiens les organismes communautaires autonomes lanaudois. La belle grande région de la Naudière ne peut pas se passer des 200 organismes communautaires autonomes dans la région. Ils apportent support, conseil et soutien à toutes ces femmes, ces hommes et ces familles dans le besoin. Ils exercent une solidarité partout sur le territoire et c'est pourquoi, à la BTS de la Naudière, nous supportons les organismes communautaires autonomes, la Naudoire. Est-ce que la région de la Naudière aurait les moyens de se priver de l'action quotidienne de ces 200 organismes autonomes sur son territoire? Ce sont autant d'actions de solidarité de cœur par des gens d'expertise qui ont les connaissances et les compétences pour intervenir auprès de notre monde. À titre de maire de Saint-Roch-Blachigan, c'est un devoir d'appuyer l'action communautaire autonome, d'appuyer nos organismes communautaires autonomes de la Naudière. C'est avec la conviction que les organismes communautaires autonomes sont à la fois des services de soutien essentiels et des moteurs de transformation sociale que le conseil municipal de Sainte-Marie-Salomé appuie la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Pourquoi la Naudière n'a pas les moyens de se passer de ces 200 organismes communautaires? Parce qu'ils sont souvent le dernier recours pour les personnes les plus vulnérables. Parce qu'ils défendent les droits des groupes et des personnes qui ont besoin d'une voix forte. Parce qu'ils offrent des activités et des milieux de vie pour briser l'isolement des personnes seules ou vulnérables. Parce qu'ils sont complémentaires au système de santé. Parce qu'ils sont issus de la communauté et administrés par leurs membres afin de bien répondre à leurs besoins. Voilà pourquoi nous soutenons les organismes communautaires la Naudoire. Bonjour à tous, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. À la question, est-ce que la Naudière peut se permettre de se passer de ces 200 organismes communautaires autonomes? La réponse est non. Qu'est-ce que ces gens-là apportent de plus important dans notre communauté? C'est un service humain, un service de proximité, un service chaleureux. Ce sont des gens dévoués qui sont toujours disponibles.
Donc, je vous annonce aujourd'hui que moi, Yves Perron, j'appuie les organismes communautaires autonomes de la Nodière. En lien avec ce vidéo, ce midi, aujourd'hui, il y a eu une marche dans les rues de Berthierville pour dénoncer le manque de financement accordé aux groupes communautaires. À ce sujet, CTRB a rencontré, lors de cette marche, Julie Tétrault du groupe d'entraide En toute amitié. Elle nous parle de la situation de son organisme. On parle là-bas d'un manque à gagner de 476 000 $. Donc, on écoute la représentante du groupe d'entraide En toute amitié. Je suis en compagnie de Julie Tétrault. Bonjour, Julie. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une mobilisation pour justement pour faire attention à nos organismes communautaires et entre autres à Berthier. Bon, ben il y a En toute amitié, le guetta, comme on dit maintenant et tout. Je sais qu'aujourd'hui, on a eu une vidéo qui a été produite par la Troquelle. Tu es impliqué aussi au niveau de la Troquelle. C'est important hein, de se manifester puis de présenter, de dire au gouvernement que vous avez besoin d'aide puis il faut continuer. Oui, tout à fait. Là, c'est super important là, de se mobiliser. On veut aller chercher plus de financement pour les organismes communautaires partout au Québec. Pour notre organisme, à nous, là, juste pour nous, là, c'est 476 780 $ qu'on aurait besoin de plus de financement à la mission pour continuer à offrir tous les services comme il faut. Nos employés, ils sont sous-payés. Nos employés, ils utilisent eux-mêmes le service de dépannage alimentaire parce que justement, on ne les paye pas assez. On a de la difficulté d'aller chercher des expertises à cause qu'on n'a pas de moyens. Nos employés sont épuisés. On peine à offrir tous les services puis les besoins sont grandissants. Là. On le sait, là, on le voit. Il y a de plus en plus de gens là, qui viennent faire des demandes d'aide à notre organisme. Donc, c'est super important aujourd'hui de se mobiliser. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire avec le groupe d'entraide En toute amitié. Les membres, les employés du groupe d'entraide, dans le fond, une petite marche symbolique là, de 30 minutes à Berthierville. Juste justement là, pour dire à M. Legault, là, il est grand temps, M. Legault, que vous reconnaissiez le caractère essentiel des organismes communautaires autonomes, pas juste pendant le COVID, pas juste en temps de crise, maintenant, puis à long terme également. Okay. Quand tu me parles du 476 000 $ okay, c'est juste pour arriver even, puis être capable d'offrir des services. Là. Tu fais pas 100 000 en bas de la ligne. Là. C'est non, juste pour te permettre de maintenir à flot l'organisme. C'est ce qu'on aurait besoin pour pouvoir embaucher à temps plein une intervenante, pour pouvoir payer les vrais salaires de ce que ça vaut. Là. Mon salaire à moi, le salaire de la responsable de la cuisine, le salaire de la responsable de plancher, tous les employés de plancher également. On considère que toutes ces personnes-là ne sont pas suffisamment payées. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, je dirais que le salaire, c'est un peu le nerf de la guerre. Actuellement, on a beau offrir des conditions de travail pour essayer de pallier un peu à ça. C'est plus suffisant. On a besoin de plus pour pouvoir faire plus, pour pouvoir maintenir nos services, puis une qualité de service aussi là, pour les personnes qui en ont besoin. Tantôt, tu me parlais des services, il y a le dépannage alimentaire, mais il y a aussi les petits déjeuners. Vous êtes impliqués au niveau des collations, des choses dans les écoles, beaucoup de choses comme ça. Hein? Oui, présentement, on est beaucoup impliqués dans les écoles primaires et secondaires à Berthierville. Entre autres choses, on fait les petits déjeuners là, à l'école primaire 5 journées par semaine. C'est préparé dans nos cuisines, c'est transporté à l'école primaire. Même chose avec les collations, école avec les collations pour Pierre de l'Hostage. Donc, c'est préparé ici, 5 journées semaine, transporté dans les écoles primaires. À chaque semaine, au niveau de l'aide alimentaire, on a une centaine de familles là, qui viennent chercher de l'aide ici au groupe d'entraide En toute amitié. À chaque semaine, on voit aussi de plus en plus de familles avec enfants là, qui viennent faire des demandes d'aide. Avant, c'était beaucoup des personnes seules. Ces personnes-là sont encore là, mais de plus en plus de familles également. Donc, c'est une pauvreté maintenant, on pourrait dire, cachée, qui est moins visible parce que les gens, je dirais le mot, s'en vendent pas, mais vous êtes là pour aider et c'est important. Là. Tout à fait. Puis on se le cachera pas. Là, c'est dur pour tout le monde actuellement. On le voit avec l'inflation, avec le coût de la nourriture qui augmente, les loyers qui explosent. C'est vraiment difficile là, pour les personnes seules. C'est difficile pour les familles aussi. Là. Les gens ont de la difficulté à arriver présentement. Bon, mais je te remercie, Julie, puis on en parle. Bye. Merci. Ça laissera pas à souffrir. Ça laissera pas à souffrir. Ok, j'ai pas compris, mais c'est pas compris. Pour l'action communautaire.
Voilà. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 23 février, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claudette Champagne, à André Courchêne, à Jean-Pierre Gravel et à Luigi Panfili. Le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite un heureux anniversaire à Michel Thibodeau. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 23 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant. L'artiste Antoine Lachance sera à la Chasse-Galerie à Lavaltrie ce vendredi 25 février. CTRB l'a rencontré. Il nous parle de son dernier album et à quoi on doit s'attendre si on est présent à son spectacle à Lavaltrie. On l'écoute. Tu fais aussi de la production musicale, hein? C'est ça que je comprends, que tu as participé aussi à l'élaboration de la musique là, pour un humoriste. Je vais juste chercher François Bellefeuille, que tu as fait ça. Ça, c'est une autre expérience, là, dans le fond. Transposer les sentiments de quelqu'un, les mettre dans un environnement sonore, ça demande une belle collaboration, une belle intimité avec l'artiste. Ouais, ben oui, c'est d'ailleurs, tu sais, il y a des auteurs, compositeurs, interprètes qui sont vraiment plus solitaires, ils vont travailler un petit peu avec des gens, mais c'est, leur profil va être beaucoup plus intimement lié à leur carrière seulement. Moi, je suis vraiment un autre bébite. Tu sais, j'aime ça vraiment travailler avec plein de monde. J'aime ça, tu sais, comme j'accompagne en spectacle Andréane Mallette. Tu sais, puis pour le cas de François Bellefeuille, ben, j'aime ça aussi faire de la création. J'ai un studio. Fait, moi, quand on me demande de faire de la création sur un show, n'importe quoi, c'est des capacités que j'ai. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Fait que, mais effectivement, tu sais, ça prend une certaine relation avec la personne. Tu sais, François, on se connaît bien, puis j'ai pu, avec des échanges avec lui, de vraiment saisir, comprendre ce qu'il voulait comme musique pour son spectacle, mais effectivement, ça prend une communication, tu sais, il faut qu'on comprenne, parce que, comme je disais, c'est très abstrait, ça. C'est ça. Comme tout le monde, on a vécu la pandémie, on pense qu'on s'en sort, on devrait revenir à la normale. Pendant la pandémie, si je comprends bien, tu as décidé de déménager à Sorel-Tracy, donc tu es rendu nos voisins d'en face. Comme on pourrait dire, là, parce qu'on est situé à Berthierville. Et tu t'étais dans la maison que tu as acquis, tu me disais qu'elle était en face de l'ancien cinépark à Sorel-Tracy. Et ça a été ça qui était ton fil conducteur, là, ton leitmotiv pour faire un troisième album là, que tu as appelé Cinépark Fantôme, justement. Tu peux-tu nous en parler un petit peu de cette création, de cheminement que tu as fait? Ben oui, tout à fait. Moi, la pandémie, c'était un accélérateur pour prendre le choix de déménager. Parce que moi, dans le fond, je suis parti de Sorel, j'avais 17 ans, puis j'en avais 34. Donc, j'ai été presque aussi longtemps à Sorel que j'ai été à Montréal. Fait que ça faisait comme 15 ans que j'étais à Montréal. Puis, la pandémie, tu sais, à Montréal, c'était pas évident, tu sais, dans des plus petits logements. T'sais, Montréal, c'était là parce qu'il y a de la vie, puis là, toute cette vie-là n'existait plus pour un petit bout de temps, donc c'était un bon argument. Puis c'est ça, t'sais, dans le fond, je suis revenu à Sorel, je me suis acheté une belle maison, on s'est fait un studio, puis
quand ça a été le temps de commencer à accélérer les choses pour faire l'album, ben, il me manquait un petit peu de chansons, il me manquait un peu d'inspiration. Puis, tu sais, je me suis décidé à une journée d'aller faire une balade parce qu'il y a un boisin derrière chez moi. Fait que je me suis dit, je vais aller me promener. Puis, c'est là, tu sais, c'est là vraiment j'ai réalisé qu'il y avait le cinéparc qui est abandonné depuis des années. Là, tu sais, c'est comme. J'allais voir des films, tu sais, mettons, en 1995 ou je sais pas quoi. Là, je ne me rappelle plus c'est quand ça a fermé, mais tu sais, j'avais complètement oublié l'existence de ça. Tu sais. Fait que, puis là, ça a été vraiment comme une espèce de second souffle dans ma création parce que j'y allais pratiquement tous les jours promener. Puis je me faisais comme des petits films que je projetais sur les écrans pour alimenter ça un peu la création. Puis c'était ça qui a donné le second souffle. Puis, c'est ça, tu sais, c'est un peu une image aussi d'un retour à chez moi, une nostalgie, tu sais, de revenir là-dedans, un souvenir d'enfance. Fait que c'est un peu ça l'idée de Cinéparc Fantôme. OK. Tu me parles d'un petit peu de comme des espèces de petits clics que tu t'es vu dans ta tête pour raconter. Donc, tu as parlé de l'histoire que tu as vécue, l'histoire. Tu nous parles dans tes chansons de qu'est-ce que tu ressens, de qu'est-ce que tu aspires à devenir. Qu'est-ce qu'on pourrait parler un petit peu? Des chansons que tu nous proposes? Ben, j'ai beaucoup été dans l'autobiographique, autobiographie dans mes premières, surtout le premier album, tu sais, je vivais plein d'affaires difficiles à ce moment-là, je me séparais, je venais de perdre mon père, fait que tu sais, mon inspiration était intimement liée beaucoup à ce que je vivais à ce moment-là. Pour cet album-là, c'était, il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup aussi en amont à ce que je disais tantôt par rapport à la création, il y a beaucoup d'histoires que j'ai inventées, des petits films que je me suis fait dans ma tête, mais il y a aussi des sujets assez personnels. T'sais, la première chanson qui s'appelle « En paix avec la mort », ben, c'est un peu, je pense que tout le monde a une crainte de la mort, des deuils, tout ça, puis moi c'était comme une espèce de thérapie de décrire là-dessus, puis de sortir un peu de méchant là-dessus. Mais somme toute, ça a été plus de la création, un peu comme j'écrivais des histoires inventées. C'était un petit peu moins autobiographique. Là, Donc, ça va être la présentation de cet album-là qu'il faut s'attendre à voir à la Chasse-Galerie où tu vas faire un peu tes deux premiers albums. Est-ce des choses que tu tiens encore à présenter, que tu penses que c'est d'actualité et que tu veux continuer de présenter dans tes spectacles? Ben, c'est sûr que les chansons qui ont été plus connues, plus jouées à la radio, du parcours d'avant, je les inclus toujours parce que je sais que les gens, souvent, ça leur rappelle les tunes, ça. C'est sûr que du premier album, je pense qu'il en reste juste deux. Fait que c'est vraiment un bout de fun dans ma carrière de choisir dans trois albums. Mais c'est sûr que là, vu qu'il vient de sortir, on fait l'entièreté de l'album. C'est sûr que les 10 chansons de ce nouvel album-là sont là. Puis, fait que c'est un peu. Puis, je fais aussi quelques reprises. J'aime ça visiter des chansons québécoises d'artistes que j'adore. Je fais une chanson de Daniel Bélanger. C'est un mix de tout ça. Parfait. Donc, c'était à la Valtrie de 25. Par la suite, on va pouvoir te voir à travers le Québec. C'est ça qu'on comprend. Toute la saison estivale commence, c'est ça? C'est ça. Ben en fait, avant que le printemps été arrive, je pense que j'ai 7 ou 8 dates un petit peu partout. On va aussi faire un 4 dates dans l'Est, là, jusqu'à Gaspé. Fait que c'est comme un petit peu un parcours un peu partout au Québec là, avant l'été. Puis après ça, il y a d'autres choses qui vont revenir. Fait que c'est un petit peu un condensé. C'est comme j'ai été pas très occupé depuis, disons, décembre, puis là, plein de choses qui arrivent. Je vais être le guitariste aussi pour le Gala des Oliviers à Radio-Canada. Ah, c'est bien. Puis il y a une chanson qui vient de sortir. Fait que c'est comme si les choses reprennent assez vite. Puis, tant mieux. Beaucoup de choses en ouais. C'est tant mieux, il faut le prendre quand ça arrive. Donc, puis par la suite, ben, as-tu déjà commencé à penser à un album ou pour l'instant, tu veux faire un peu de chemin, comme on dirait, avec celui-ci, puis on verra dans l'automne? Bien, tu sais, les albums, je vise toujours de me dire qu'au moins d'en sortir le minimum aux 2 ans, mais des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça veut dire que si je veux pas être un petit peu à dernière minute, comme la dernière fois, le dernier album, il faut que je commence à composer assez rapidement. Effectivement, tranquillement, je recommence à prendre des notes. Puis, tu sais, c'est tout le temps là, de toute façon, la création, ça ne quitte jamais. Là. Fait que, oui, effectivement, je suis toujours un peu en préparation. Bon, tu pourras venir parler de notre fleuve
Tu vas juste à côté, tu vas voir des bateaux, le fleuve, que ça va te faire sûrement des belles sources de rencontres. Bon, ben on va te souhaiter bonne chance, puis on te suit encore dans ta quartière dans les prochaines semaines, les prochains jours. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bye. Ben, merci beaucoup. Sur ce, allons à la pause. Villa Royale de Berthierville, le 21 février dernier, à 87 ans, est décédée Mme Jacqueline Asselin, épouse de feu Noël Boisvert, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Boisvert, José Trottier, Manon Boisvert, Serge Bellumeur, Jacques Boisvert, Karine Destrampe, ses 5 petits-enfants, Alexandre, Catherine, Marianne, Émilie et William. Ses 3 arrière-petits-enfants, Mercedes, Raphaël, Henri Wolfgang, Bébé Bellumeur, préparé à venir, son frère, sa sœur, Robert Asselin, Micheline Asselin, feu Claude Blanchard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 13 mars, dès 13h30, à la chapelle du complexe Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie de la parole à 14h30. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire à Saint-Barthélemy. Le 20 février, à 77 ans, est décédé M. Claude Pépin, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Denise. Il laisse dans le deuil son fils, Benoît Pépin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, Lise Pépin, Yves Pépin, Rolando Bahamondes, Claudette Pépin, Nicole Pépin, Denis Auclair, Ginette Pépin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 12 mars, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 17 février dernier, à 86 ans, est décédée Mme Marie-Claire Bérard, épouse d'Alfred Turcotte, demeurant à Saint-Cuthbert. Lui a précédé son fils Bruno. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Serge Turcotte, Daniel Bergeron, Chantal Turcotte et Gaétan Turcotte. Ses petits-enfants, Anne-Sophie, Marie-Alexis, Maxime, Vincent, Myriam et Carl. Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, Muriel Bédard, Philippe Bédard, feu André Gauthier, Aldéo Bérard, Philippe Bérard et Aldéo, Bérard, Nicole Bertrand, Gisèle Turcotte, feu Étienne Laporte, Monique Turcotte, Janine Morel, feu Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 5 mars dès 13 h en la chapelle du complexe funéraire du Salon F. Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30. Madame Bérard Turcotte sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 2 janvier, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Albert Bergeron, époux de Denise Massé, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Joanne Bergeron, Yvon Saint-Germain, Guylaine Bergeron, Normand Boivin, Diane Bergeron, Céline Groux, Maryse Bergeron, Martin Désy. Ses 7 petits-enfants, Joanie, Olivier, Louis-Pierre, David, Jonathan, Maggie, Alice et leurs conjoints-conjointes. 2 arrière-petites-filles, Audrey-Anne et Béatrice. Ses sœurs, ses belles-sœurs, son beau-frère, Fleurette Bergeron, feu Jean-Paul Chevalier, Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer, Annette Massé, feu Gérard Plante, Régent Massé, feu Véronique Barry,
Marielle Lacombe, Rita Massé, Feu Réal Fafard, Jean-Pierre Chartrand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du troisième étage du CHSLD, Alphonse Rondeau, pour les bons soins apportés à leur père. La famille vous accueillera samedi, le 19 mars, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier, à 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'Île-du-Pas. Il laisse dans le deuil ses filles, Lynn Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon, ses petits-enfants Gabriel, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles, Marie, Liliane et Victoria, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Annette Dandonneau, Nicole, l'ayant précédé récemment, Denis Dandonneau, Ludivine Courchêne, Huguette Cazobon, Normand Cazobon, Gilles Cazobon, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Suzanne Cazobon, ainsi que les enfants de Liliane Clément. Ses neveux, nièces, autres parents et amis, la famille vous accueillera samedi le 26 février de midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Après ce petit redout d'aujourd'hui où le mercure a avoisiné le 0 degré, le mercure dégringole pour les prochaines heures. On parle de moins 11 en ce mercredi soir, ciel généralement dégagé. Moins 19 cette nuit, ciel dégagé. On ressentira, si on est à l'extérieur, moins 26. Le soleil est présent demain matin, jeudi. Plein soleil, moins 18, c'est très froid. Ressenti moins 24. En après-midi, léger réchauffement, on parle de moins 9, ressenti moins 13. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 23 février. À la belle humeur au pépite qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Au revoir.